Par deux fois, la France a atteint la grandeur, à l'époque de la construction des cathédrales et à l'époque de Napoléon. C'est-à-dire à deux moments étrangers à son génie spécifique. Les cathédrales et Napoléon, tout ce qu'on peut imaginer de moins français. Toutefois, le peuple a vibré, il a porté les dalles du Moyen-Âge et il est tombé au pied des pyramides ou sur la Bérézina. Les Français ont créé le style gothique, d'essence germanique, et sur le plan militaire ont suivi le dernier représentant de la Renaissance italienne. Ils se sont ainsi dépassés à deux reprises. Ils ont dépassé leur perfection achevée par le contact avec deux inspirations de nature étrangère. Dans la création gothique a rejailli le sang des Francs, l'élément germanique. Dans les campagnes napoléoniennes, le génie méditerranéen des expéditions. En dehors de ces moments, la France s'est contentée d'être elle-même. Ni langues étrangères, ni import de culture, ni curiosité tournée vers le monde. Tel est le défaut glorieux d'une culture parfaite, qui trouve dans sa loi sa seule forme de vie. Un pays heureux dans son espace, à la personnalité géographique bien définie, réussit jusque sur le plan physique. Rien d'impitoyable dans sa nature et aucun grand danger dans le sang. Elle a imposé une forme aux éléments germaniques de sa structure, a coupé leur élan et les a réduits à l'horizontalité. C'est pourquoi le gothique français est plus délicat, plus humain et plus accessible que l'allemand qui attaque les hauteurs comme un ultimatum vertical adressé à Dieu. Dans une certaine mesure, les cathédrales françaises sont compatibles avec le bon goût. Elles n'abusent pas de l'architecture, elles ne la compromettent pas par la recherche de l'infini. Nous sommes dans un peuple de l'immanence qui a créé le genre inimitable des détails subtils et révélateurs de l'existence dans le monde, l'ornement. Ainsi, rien de plus français qu'une tapisserie, un meuble, une dentelle, ou, sur le plan architectural, un manoir ou un hôtel, dans le sens ancien du mot, d'hôtel particulier. Un souffle de menuet parcourt, doux et lisse, une civilisation heureuse. Elle n'a pu être originale que dans ses produits intimistes. Quand ils furent usés, elle avait épuisé une bonne partie de ses possibilités. La décadence, ce n'est pas autre chose que l'incapacité de créer encore dans le cercle de valeurs qui vous définissent. Au XVIIIe siècle, la France faisait la loi en Europe. Depuis lors, elle n'a jamais plus exercé que son influence. Le symbolisme, l'impressionnisme, le libéralisme et bien d'autres choses sont les derniers contacts vitaux avec le monde avant de couler dans une absence fatale. Un Joachim du Bellay, qui se languit à Rome de la douceur angevine, qui se sent loin de son village et des siens dans la cité éternelle,
quel exemple significatif. Ou Baudelaire, terrorisé par la crainte de l'ennui et de l'influence des poètes anglais, chantant les départs, mais incapable de fuir le quartier latin. Dans sa jeunesse, la nostalgie de Paris le conduisit à interrompre son voyage en Inde. Les Français ont sacrifié le monde à la France. Que ferait-il à l'étranger? D'ailleurs, tant d'étrangers n'ont-ils pas sacrifié leur pays à Paris? Ici se trouve peut-être l'explication indirecte de l'indifférence et du provincialisme français. Mais cette province a constitué un jour le contenu spirituel du continent. La France, comme la Grèce antique, a été une province universelle. Ce sont aussi les seuls pays qui ont utilisé le concept de barbare, la qualification négative de l'étranger, n'exprimant par là rien d'autre que le refus d'une civilisation bien définie de s'ouvrir à la nouveauté. Un des vices de la France a été la stérilité de la perfection, laquelle ne se manifeste jamais aussi clairement que dans l'écriture. Le souci de bien formuler, de ne pas estropier le mot et sa mélodie, d'enchaîner harmonieusement les idées. Voilà une obsession française. Aucune culture n'a été plus préoccupée par le style et dans aucune autre on n'a écrit avec autant de beauté à la perfection. Aucun Français n'écrit irrémédiablement mal. Tous écrivent bien. Tous voient la forme avant l'idée. Le style est l'expression directe de la culture. Les pensées de Pascal, vous les trouvez dans tout prêche et dans tout livre religieux, mais sa manière de les formuler est unique. Son génie en est indissociable, car le style est l'architecture de l'esprit. Un penseur est grand dans la mesure où il agence bien ses idées. Un poète, ces mots. La France a la clé de cet agencement. C'est pour cela qu'elle a produit une multitude de talents. En Allemagne, il faut être un génie pour s'exprimer impeccablement. Et encore.